Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, coloriage, c'est la fin du coloriage d'Emmanuel Collin que j'avais commencé hier. Voilà, donc j'ai terminé aujourd'hui, logique. J'aime bien, comme d'hab, voilà. Donc aujourd'hui j'ai terminé, alors j'ai fait les cheveux, le visage, la peau. Et les petites guêpes, voilà. Donc j'ai terminé aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. J'aime beaucoup le résultat. Bon, alors il va falloir quand même que je m'achète, parce que là je les imprime, que je m'achète du papier. Donc je vais m'acheter du papier canson spécial pour les imprimer, parce que là je les fais sur du cardstock d'action, mais je me sers du côté lisse. Et aujourd'hui j'ai remarqué quand même que c'est pas top hein, pour le faire. Il faut absolument que j'ai un papier vraiment très lisse pour le faire. Donc là je vais commander, bon je sais pas quand, dans la semaine prochaine je verrai ça, un papier canson qui passe à l'imprimante bien sûr, et qui sur lesquels je peux faire mes coloriages. Voilà, parce que là c'est le résultat est très beau, hein. il n'y a pas de souci, mais c'est pas nickel comme je voudrais. Voilà, donc dès que je peux je vais me commander du papier pour imprimer. Sinon bah voilà, c'était top. Alors, j'ai fait les cheveux en couleur brun-rouge, voilà, pour que ça, enfin, c'est même pas rouge, c'est un peu, j'ai un peu mis du rose foncé dedans, pour ressortir un peu avec les fleurs. Il y avait un œil, donc son œil, je l'ai fait bleu. Et puis les petites guêpes, hein, bien sûr, c'est jaune orangé, puisque le corps était là où ça doit être noir, était déjà imprimé noir, donc je n'ai mis que le jaune orangé sur les petites guêpes. Voilà. Alors, je voulais mettre sur les ailes une peinture transparente à paillettes, ou alors une colle paillette, mais je n'ai pas, retrouvé où est-ce que j'avais mis. J'avais les deux, j'avais la peinture à paillettes et j'avais la colle paillette, mais j'ai pas retrouvé où j'avais mis. Parce que bon, ça aurait fait très joli, faire les ailes comme les ailes sont transparentes, mettre quelque chose un peu en paillettes sur les ailes. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois, c'est rien. Vous allez voir, maintenant que le dessin est terminé, je vais retrouver mon pot, hein, ça c'est sûr et certain. De toute façon, c'est souvent comme ça, hein. Quand on cherche, on ne trouve pas, et puis une fois qu'on a fini le truc, ben, ah tiens, je l'ai retrouvé. Mais bon, c'est pas très grave. Donc les ailes, je les ai fait un peu transparentes, avec un bleu très pâle, voilà, pour montrer un peu la transparence des ailes. Sinon, ben voilà, donc un coloriage est terminé. Je vais, bon demain je ne referai pas de coloriage, je ne pense pas. Je vais refaire je vais faire un film, hop, 1, 2, 3, je vais continuer mon DP. Sinon, voilà, j'ai aussi alors, du scrap à faire. Parce que pour la fête des mamies, en plus d'une rose que j'ai eue par chacun de mes petits-enfants, j'ai eu aussi les photos d'école. Voilà, donc comme à chaque année, quand je les reçois, je scrape les photos. Donc là, bah, j'aurai les photos d'école à scraper. Donc je vais certainement faire ça dans la semaine. Je vais essayer parce que là, jeudi, on a des rendez-vous. Donc je verrai. Bon, de toute façon, je vous le filme comme d'habitude. Hein. Je vous filmerai ça. Alors. J'ai des... oh là là, qu'est-ce que je bégaye aujourd'hui. J'ai deux grandes photos de mes deux plus petits,
Enfin, mes petits sont grands hein, maintenant, mais enfin, de mes deux plus petits. Oh là là, ça, je vous le dis, hein, il faut que j'arrête de parler trop vite. J'ai deux grandes photos, enfin, elles sont comme ça, en noir et blanc. Et après, j'ai deux, trois petites photos, donc là, des deux petits et de ma grande, là en couleur. Mais cela, je pense pas, je ne sais pas si je vais la scraper. Je verrai. Je verrai à moins que je scrape sur une page plus petite que du 30. Parce que ça, sur du 30-30, ça va faire peut-être grand par rapport à la taille des photos. Voilà. Je ferai peut-être sur du 20 ou du 25. Je verrai. Donc voilà déjà un projet à faire. J'ai toujours mon projet à faire également. Je dois vous faire. Alors, le panier est là. J'ai toujours pas fait mon rangement de tampons. J'ai toujours pas fait depuis. J'ai toujours des trucs à faire et puis voilà. Je voudrais vous faire une vidéo aussi pour vous montrer où j'en suis sur mes broderies qui n'avancent pas. Enfin, qui n'avancent pas très vite. Il y en a une qui n'avance pas du tout. Celle qui est la broderie imprimée, alors elle avance pas trop. Mais en fin de compte, la broderie imprimée, je pensais que ça allait quand même me plaire, mais. Bon, je vais la faire, hein, je vais la finir. Bon, je sais pas combien de temps je vais mettre pour la finir. Mais c'est vrai que quand il y a un truc qui vous plaît pas à fond, c'est plus compliqué. Ça me plaisait au début. Vous savez, c'est la broderie avec le petit Yorkshire. Et j'ai du mal en fin de compte avec une toile imprimée. Pourtant, je fais du canevas. Je fais de la broderie traditionnelle au point de croix. Et là, bon, ben, c'est un mix des deux sur la toile. C'était noté qu'il fallait broder en deux fils. Et je trouve que c'est pas assez. Il aurait fallu broder en trois fils pour bien remplir. Maintenant, il est trop tard, hein. Je peux plus le refaire. Mais bon, tant pis, on verra. Bon, de toute façon, là, aujourd'hui, c'est pas le thème de la vidéo, c'est pas la broderie, c'est le coloriage. Mais c'était pour vous dire les vidéos que j'ai à faire, là. Et j'en ai encore une à vous préparer. C'était quoi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, ça fait rien. Quand elle sera sur la chaîne, vous le verrez. Donc voilà. Je vais vous laisser visionner donc cette vidéo. Donc la fin du coloriage. J'espère qu'il va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, en dessous de la vidéo, vous mettez plein de petits commentaires. Même si c'est pour me dire un petit bonjour. C'est toujours sympa. Des petits pouces. C'est toujours sympa également. Et également, alors j'ai regardé, de temps en temps, je regarde dans les coulisses de ma chaîne. Vous êtes quand même nombreux, enfin nombreux et nombreuses à regarder ma chaîne, mais pas beaucoup sont abonnés. Enfin, si j'ai beaucoup d'abonnés, puisque là, vous arrivez aux 4500 abonnés. Youpi, merci. Mais vous êtes encore quand même plus de 60% à regarder ma chaîne sans être abonné. Alors, voyez là en dessous, là il est marqué s'abonner, donc on clique dessus. Voilà, et à côté il y a une petite cloche, donc on clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne, vous la recevrez la notification. Voilà, c'est plus sympa. Voilà, mais comme ça. Et 60% qui regardent mes vidéos sans être abonnés, ben vous serez abonnés, vous recevrez au moins toutes les vidéos que je mets en ligne. Voilà. ouais, de temps en temps, je regarde sur mes coulisses. Moi, j'appelle ça les coulisses. Et
Donc, pareil, les pays d'où vous venez, tout ça. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes. Bon, la France, bien sûr, la Belgique, bien sûr, le Canada, quand même pas mal de gens du Canada. J'ai un petit peu l'Amérique, tout petit peu, mais j'en ai. Pologne, j'ai une ou deux personnes de Pologne qui viennent faire un tour de temps en temps. Voilà, donc c'est sympa. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas abonné, hop, vous cliquez là sur s'abonner et sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos. Allez, maintenant je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.